Donc, ce soir, on est quand même satisfait du résultat, d'abord sur Argentan, puisque c'est un score historique pour la gauche qui veut faire tomber ce vieux monde. Et je crois que le peuple de gauche s'est retrouvé autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et ils ont sanctionné vraiment les politiques d'austérité qui est... Alors pour le deuxième tour, on ne sait pas encore, bien sûr, on va discuter, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura aucune voix humaniste qui ira à l'extrême droite, ça c'est clair. Mais justement, le score de Jean-Luc Mélenchon permettra demain de faire face à sa politique libérale qui est juste un papier de cigarette avec François Fillon, voilà. Et les millions de gens demain seront dans la rue parce que le programme de M. Macron, c'est aussi la remise en cause de la sécurité sociale, c'est la remise en cause du code du travail. Voilà, dès demain, on verra, on va se rassembler. Voilà, on ne donnera pas bien sûr nos voix au Front National, mais c'est sûr qu'on appellera, on verra, mais ça ne sera pas avec une grande dynamisme sur le Macron, parce que je vous dis, c'est une feuille de cigarette avec les politiques libérales que aujourd'hui la gauche s'est retrouvée pour rejeter ces politiques libérales.